Il change de nom, genre il parle avec, il change Attends. De nom à chaque fois. Si je comprends bien, il est en train de faire du farotage avec mes 15 millions. Oui. Que quoi? Grande soeur. Attends, attends. Attends. Aïe! Jusqu'à ce que j'ai mal aux fesses. Attends. Moi, j'étais où? Toi, tu as remis 15 millions. Non, non, c'est avec 15 millions, il est bien pas de nouveau. Donc, attends, si je me rappelle bien, c'est ce qu'il y avait un truc que tu voulais pas me dire ça. Mais il m'a dit que tu serais jalouse de moi, non? Je serais jalouse de toi. Moi, ta petite soeur, je serais jalouse pourquoi? Tu as fait confiance à la mauvaise personne. Je sais que c'est ton mari. Mm-hmm. Tu sais que je te respecte beaucoup. Mm. Mais si d'ici 3 jours, je n'ai pas soit ma maison, soit mes parcelles ou mon argent, on finira au tribunal. Mais ne l'amenez pas chez le délégué. Il est allé avec le délégué. Allez, donc je n'ai pas eu. Non, il a fait fort. 15 millions. Il m'a pas donné mes efforts dedans. Il m'a démené de se préparer à moi. Je l'attends ici. Voisin. C'est quoi? Madame n'est pas rentrée. Mmh. Ça va chauffer maintenant. Je te demande, madame n'est pas rentrée. Mmh. Viens le matin. Est-ce que tu l'as appelé? Mmh. Tu l'as appelé? Son numéro ne marche pas. Ah. Descends, descends de la table. Descends de la table. Mmh. Descends, descends de la table là. Mmh. Voisin. Oui. Descends de la table. Elle dit quoi à mon mari là? Bonjour chérie. Madame, tu étais allée où? Mmh. Moi. Tu étais allé où? Réponds-moi, tu étais allé où? Toi, ton mari est un vrai voleur. Il est là. Je parle à qui? Chérie, laisse-moi t'expliquer. En revenant de la ville, j'ai rencontré ton mari. Et il me faisait comprendre qu'il a un truc à me dire. Je dis, mais voisin, de quoi s'agit-il? Il me dit que ce qu'il a à me dire là, que... On ne peut pas en parler là au portail. J'ai dit ok, on fait comment maintenant? Il m'a dit de le suivre. On est parti s'asseoir dans un bar. À ma grande surprise, ton mari là, chérie, écoutez, il commence à me raconter tes délits, comment tu me trompes, tu comprends les trucs du genre. La finalité c'était quoi? Il me demande si je n'ai pas un oncle qui est riche par hasard dans la famille, qui a l'argent, qui l'aimerait m'aider. Genre, à reconstruire ma vie, à réaliser. J'ai dit oui, voisin. Il dit ok, de l'amener chez l'oncle. Je suis partie chez l'oncle. Devant moi, ils ont parlé, ils ont tout conclu. Hein? Il a pris l'argent chez mon oncle, il a dit, il revient tout à l'heure. Depuis, je l'appelle. Son téléphone, quand ça sonne, c'est une femme qui décroche. Et on dit papa, oh! C'est pas qui. Et tu ris encore. Hein? C'est pas qui te là. Depuis mon oncle m'attend là-bas. Hein? L'argent de mon oncle qu'il a pris, il a dit de me rembourser l'argent de mon oncle. Voisine. Je ne veux rien entendre. Appelle ton mari, dis-lui de me rembourser l'argent de mon oncle. Donc, depuis que toi tu es dans la cour ici, là. Tu ne connais pas Abyss. Toi tu ne connais pas Abyss, mon mari, là. Toi tu ne le connais pas. Et tu en emmènes chez ton oncle. Car l'argent, non, ça c'est pas mon problème. La personne a dit de m'aider à devenir ma chérie. Dame. Dis à ton mari de me rendre l'argent de mon oncle. Je ne veux pas de problème. Ça fait 2 semaines qu'il est pas dans la maison. Je vais aller le trouver où? Hein? Je vais aller le trouver où? Martin, maintenant, c'est Abyss, mon problème. Attends, c'est le seul homme qui nous aidait là que tu as amené à Abyss. Il a expliqué de ça. C'est de ça il s'agit. Il faut me parler, non? Merci beaucoup. Donne-moi la clé. Ne me suis pas, retourne là, tu as quitté. Retourne là, c'est quoi, je suis tranquille.
Abyss. Oui, allô, je suis déjà là. Non, mais je ne vous vois pas. Ok. Ah, donc c'est vous qui êtes là. Ok, je viens. Oui, boss.